8 ans déjà que le rendez-vous du ON a lieu dans la région d'Arles, de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau. Après l'exposition Mirage et Miracle au palais de l'Archevêché, ce sont les incarnations visuelles et sonores d'Henri Maquet et de Florent Di Bartolo qui ont ravi un public averti dans l'antre du château de Tarascon. Alors c'était à l'initiative de l'École nationale de la photographie à Arles et du Festival des Sud d'Arles qui ont voulu travailler ensemble et ont proposé chacun un artiste pour le mettre en résidence et qu'ils produisent une création ensemble. Donc Florence, c'était une proposition de Yannick Vernet qui s'occupe du Fab Lab de l'école de la photo. Ouais. Et moi, je faisais partie des propositions des mélanges de musique traditionnelle et musique électronique du sud de la France, on va dire, proposés par le Festival des Sud. Il y a quand même pas mal d'improvisation. Tout ce qui est image, c'est traité en temps réel. Et toutes les manipulations sont aussi faites à l'aide de contrôleurs. Donc on s'adapte à chaque fois au lieu. Et puis après, on joue vraiment à la fois la musique et les images. C'est un peu pareil côté musique. C'est des compositions, mais c'est beaucoup de fabrication en temps réel aussi avec les machines. Ce projet-là, au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, on nous demandait de faire une création, on ne nous a pas demandé de le jouer plein de fois. Comme ça s'est assez bien passé, on l'a reproposé à d'autres personnes derrière. Ouais. Donc ça nous a permis de le jouer notamment au Musée Henri Latin, de le jouer au Marais du Vigara et de le rejouer ici. Voilà, c'était la série, on va dire, arlésienne. On aura fait l'école photo, le musée, le château et les marais. Ouais. Et voilà, là, on cherche à promouvoir le concert et à trouver d'autres occasions de le jouer, quoi.